Salut à tous et à toutes, c'est Cafeu. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite ouverture donc de cartes Pokémon. Donc voilà, je me suis acheté ça. Donc je sais pas si vous allez bien voir, enfin tout autofocus. Voilà, donc je me suis acheté ça à la Fnac. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Donc je l'ai acheté 21 €, enfin plus précisément 20,99 €. D'accord. Alors donc voilà, donc la boîte est vraiment assez jolie. Donc il y avait Groudon, la boîte de Groudon. Et celle de... comment s'appelle-t-il déjà? Oula, j'ai oublié son nom. J'ai un trou. Kyogre, voilà. Celle de Kyogre, donc la boîte est vraiment pas mal. Donc, moi j'aime bien. Donc j'ai pris celle de Groudon. Bon, désolé pour la lumière, pour la luminosité, mais bon, j'ai fait comme je pouvais. Même si d'ailleurs je galère un peu. Ouh, la carte est vraiment assez belle. Hop, on va essayer de vous montrer ça. Donc là j'ai pris des moyens, je vous montrerai ça en photo. C'est assez drôle. Donc voilà, donc vous voyez pas bien la carte, je suis désolé. Mais elle est vraiment très belle. Voilà. Donc, on va essayer de la sortir délicatement. Hop, et vous la montrer un peu plus près. Hop. Comme ceci. Voilà, on voit un peu mieux, c'est pas énorme. Alors, hop, on va la mettre sur le côté. Hop, et bon, pour ceux que ça intéresse, je sais pas si je l'ai mis dans le bon sens. Je sais pas dans quel sens vous allez lire ça. Donc essayez de déchiffrer ça si vous pouvez. Je sais pas trop dans quel sens je dois vous mettre. Ensuite, alors. Pokébox donc composé de 4 boosters. Alors, un Galeking, un Elixprint, méga évolué, un Yveltal et Xerneas. Bon, je vais commencer par ouvrir Galeking. Donc hop, on va essayer de l'ouvrir sans trop abîmer le booster. Voilà, j'ai pas mal ouvert. Bon, je fais pas beaucoup d'ouverture, mais je sais à peu près comment ça marche en regardant. Donc encore une fois, hop, bon désolé, c'est pas dans le bon sens, hein. Je sais pas trop comment mon téléphone vous a fait ça. Alors, donc, la technique, c'est censé être 1, 2, 3, 1, 2, si je ne me suis pas trompé. Et alors, on commence par un Spinda. Donc, je regarde pour moi. Voilà, la carte est plutôt pas mal. Oula, on va essayer de pas trop... Hop, on va faire, voilà, on va faire ça comme ça. Hop. On passe à un Goubou. Il est pas mal, le Goubou, j'aime bien. Vous voyez pas bien. Un petit Goubou, plutôt sympa. Ensuite, un Lupio. Donc lui, il sort énormément. Hein. J'ai l'impression que c'est la carte qui sort le plus dans tous les boosters. Ensuite, un Solarok. Pas mal. J'aime bien. Ensuite, hop, un Coquipearl. Ouais, j'aime bien aussi, pourquoi pas. Ensuite, un Castorno. Ouais, je l'ai vu aussi quelques fois. Alors, on a un Kunetor. Ça aussi, je l'ai vu, j'aime beaucoup ce type de carte. Donc en regardant les ouvertures de youtubeurs, j'ai vu des cartes comme celle-ci. J'adore ce type de carte. Je les trouve vraiment super belles. Alors ensuite, pardon, nous avons un Masco. Et ensuite, on finit par un Nidoran. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc si je ne me trompe pas, c'est un Nidoran rare. Oula, on finit pas par ça, pardon. On finit par un... Ouh, champignon. Chapignon, j'adore ce Pokémon. Chapignon. Donc c'est Chapignon qui doit être rare. J'adore ce Pokémon. Alors ensuite, qu'allons-nous ouvrir? On va ouvrir Xerneas. C'est un légendaire que j'aime pas trop. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Oh, je l'ai mal ouvert d'ailleurs.
Ah, j'ai cliqué et je l'ai mal ouvert. Hop. Donc le code. Hop. Dans l'autre sens, c'est en jamais. Hop. Alors 1, 2, 3, 1, 2. Donc il me semble que je l'ai bien fait, hein, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on a? Oula. Un bro, c'est l'homme. Bon, je connais pas trop. Celui-là. Un sépia top, oui c'est ça. Alors. Ouh. Un marisson, il est pas mal. Alors ensuite. Oula, j'en ai sauté une, excusez-moi. Flamme à joue. Flamme à joue, plutôt pas mal cette carte, j'aime bien. Alors, un Starry, j'aime bien aussi. Je les aime toutes, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce que c'est? Un gris-gris protecteur, donc une dresseur. Alors, ensuite, on a un électrode. Ou un autre dresseur, un supporter. Olivier. Ouh, un oui, un roussil, c'est bien ça. Ah, elle est pas mal, hein. Elle est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Là, vous pouvez pas trop voir les effets. Hop. Et un... Bon, c'est pas énorme. Un flot tout le temps. Qui est bon, bon, pour l'instant, c'est pas très énorme. Alors, on va enchaîner avec Electrine. Donc, Electrine, c'est un Pokémon que j'adore. Hop, bon, j'ai quand même raté l'ouverture de ce booster, même s'il adore ce Pokémon. Hop. Alors, encore une fois, le truc, je ne sais pas dans quel sens je dois vous le mettre. Donc le 1, 2, 3, 1, 2. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a? Un Viscuse, c'est ça, oui. Oh, j'aime bien, Nodulite. Pas mal. Bon, à la lumière, c'est un peu mieux. En fait, j'ai peur de vous mettre trop de lumière. Par là, on va essayer comme ça. Ça change rien du tout, d'accord. Peut-être mieux comme ça, d'ailleurs. Un petit Armure. Ah, j'aime beaucoup Armure. Un petit Mamombo. Statistique. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Un scrutement. Couverture. Donc je connais pas super bien les maillets améliorés. Les Pokémon de ces générations, donc désolé. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un extra varène, j'avais pas reconnu. Et ensuite. Ouh, j'aime bien celle-là. Ah, celle-là j'aime beaucoup. Le AZ comme ça, j'aime beaucoup. Donc ouais, j'aime bien. Ouais, franchement, elle est pas mal celle-là. Celle-là, j'aime bien. Ok, donc notre dernier booster. On est parti. Alors, on ouvre ça. Hop. Oh, dernière carte. Donc, le sens, à vous de voir. 1, 2, 3. 1, 2. Alors, Limagma, Dodio, Ponchien, oula, Abo, Nirondelle, ce sera mieux ça. Ouh, Dimoclé, pardon. Là j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Gris-gris protecteur, on l'a déjà eu. Alors le professeur Platane, d'accord. Oh, un petit gros doudou. Pas mal, pas mal. Ouais, j'aime bien cette carte. Et on finit. Est-ce que c'est la fin? Oui. Avec un cube canaille. Donc voilà notre dernière carte. Bon, c'est pas mal. Il y a quelques petits trucs que j'ai bien aimé, certes que je voulais vous montrer un peu mieux. Donc voilà le petit cube canaille. Pas mal. Donc ce que notoire aussi que j'aime beaucoup.
J'aime vraiment beaucoup ce type de carte, j'espère en avoir d'autres. Le petit Nidoran. Ah ouais, il est vachement mieux comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc à l'avenir j'essaierai de faire un peu mieux mes ouvertures. Un petit Roussil, j'aime beaucoup aussi. Ah ça m'énerve, je peux pas bien voir comment il est. Hop, le petit Roussil. Le petit Extravoren. AZ que j'aime beaucoup. Il est vraiment pas mal AZ. Le gros doudou. Et évidemment, où est-ce que j'ai mis cette carte? Ah voilà, elle est là. Hop, on va essayer de bien la prendre. Le Groudon X. Vraiment magnifique. Alors. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Allez, l'autofocus. Allez. Ok, bon, l'autofocus ne marche pas très bien. Je tremble aussi, on peut dire. Ok, donc elle a été faite. Non, je sais pas. Ouais, franchement, elle est pas mal. En plus, elle a un effet, on dirait que qui ressort. J'aime beaucoup. Donc voilà, en tout cas, on va faire d'autres vidéos comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Donc la petite vue Tour Eiffel, comme à mes habitudes sur quelques vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Ça me ferait super plaisir. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!